Voor mij is er maar één conclusie. Ik ga van deze tribune weg. Ik ga naar de koning en ik bied het ontslag van de regering aan. De regering Martens. Toch, dat waren nogal eens woelige tijden. Hè? Ouais, il a quand même été premier ministre longtemps. Hein? Ja, iets meer dan 10 jaar. Ouais, je pense bien. Mais ces gouvernements, par contre, n'ont pas toujours duré très très longtemps. Nee, dan is de politieke situatie vandaag de dag veel stabieler. Mm-hmm. Maar ik mij wel afvraag, hè, wat gebeurt er eigenlijk na zo'n legislatuur? Want hoe werkt dat precies als de regering valt? Ouais, j'ai pas vraiment de réponse précise, mais je pense que ça a d'énormes conséquences sur la chambre. Dat denk ik ook. De Kamer die heeft een mandaat van 5 jaar. Dat wil zeggen dat ze om de 5 jaar vernieuwd wordt via verkiezingen. Het kan ook zijn dat die periode net iets korter is, of heel wat korter is. Dat hangt af van de omstandigheden. Het kan zijn dat er een politieke crisis is en dat de Kamer het vertrouwen opzegt in de regering. Dan kan de Kamer onder bepaalde voorwaarden ook ontbonden worden. Of het kan zijn dat er afgesproken wordt tussen regering, Kamer en Senaat om de grondwet te wijzigen. Zo die aanloop naar die verkiezingen en zo, is dat niet spannend? Dat is heel spannend. En druk? En druk, vooral voor de parlementsleden zelf natuurlijk. Die gaan de boer op, hè. Die voeren heftig campagne. En jullie? Wat doen jullie dan? Wij hebben heel wat inhaalwerk te doen op dat ogenblik. En belangrijker natuurlijk, wij bereiden ons voor op het onthaal van de nieuwe Kamerleden. Ah ja, want die moeten zich natuurlijk ook welkom voelen. Daar doen we alles voor. Ja. Alors Viviane, vous êtes la chef d'orchestre des commissions de la Chambre. Oui. Comment ça se passe une fois que les élections ont eu lieu? Que fait-on avec les résultats? Mais donc nous avons deux tâches principales qui sont un, de vérifier si les élections se sont déroulées correctement sur la base d'une série de documents, par exemple les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux de dépouillement, etc. Et également, nous traitons les plaintes qui peuvent éventuellement être déposées par les citoyens ou par un candidat mécontent. Alors, les 150 élus peuvent venir directement ici à la Chambre une fois qu'ils ont été validés par cette procédure? Ils ne sont pas encore validés à ce moment-là parce que nous devons vérifier s'ils répondent bien aux conditions d'éligibilité. Donc, nous prenons contact avec eux pour leur demander de nous donner certains renseignements de manière à vérifier s'ils ont bien la nationalité belge, etc. Et ça, vous devez le faire aussi pour les députés sortants, pour les 150 nouveaux députés? Nous faisons ça pour tous les députés élus. Ok, on recommence la procédure. Tout à fait. Wanneer komt de nieuwe Kamer dan samen? Kort na de verkiezingen komen alle nieuw verkozen Kamerleden samen. En dan moet er nog nagegaan worden of dat zij echt verkozen zijn, of dat alles goed verlopen is. Als ze geldig is samengesteld en alle leden voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen zij de eed afleggen. Donc il y a une prestation de serment, il y a une phrase très précise à donner, à dire. Tout à fait. Je jure d'observer la Constitution. Ils peuvent le faire soit dans leur langue maternelle, mais ils ont également le choix de le faire en deux langues ou même en trois, donc en français, en néerlandais ou en allemand. En heeft iedereen dan meteen een vaste plek in het halfrond? Of hangt het af of dat ze in de oppositie zitten of in de regering? Ja, of ze in de oppositie of in de meerderheid zitten, dat is in België meestal niet onmiddellijk duidelijk. Hè. Daarvoor moeten er eerst politieke onderhandelingen gevoerd worden. En het is pas op het ogenblik dat er een akkoord gevonden wordt, dat duidelijk is wie in oppositie of in meerderheid zit. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Donc, les groupes occupent toujours à peu près la même place, mais en fonction du gain de siège ou de perte de siège, ça peut être quelque peu modifié. Dissolution, élection, nouveau gouvernement, nouvelle chambre, un premier ministre. Bref, ici à la Chambre, c'est un cycle qui se répète indéfiniment. En uiteindelijk krijg je dan als ex-premier een eigen borstbeeld. Ah, oui. Zou dat niks voor u zijn, Adrien? Tu vois, Evie, première femme, première ministre en Belgique, serait bien. Ah ja, misschien wel. Ça t'irait bien. Parfait. Ja?